Bonjour tout le monde, et on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture du display Origin Antique. Donc dans la dernière ouverture, on avait ouvert 18 boosters, et on va ouvrir la suite. Ce qui fait un bon paquet de boosters, donc je vais pas vous représenter l'illustration, hein, parce qu'on les a, je les ai déjà présentés lors de la première vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Et on va commencer avec un booster Mega Raikou, va? En espérant avoir de la chance, hein. Si vous n'avez pas vu la première partie, ben je vous invite à aller la regarder pour voir les ultras que j'ai eu dedans. Et on est parti. Je vous donne le premier code pour commencer. Avec un reliquant. Je vais mettre le code là que j'ai utilisé pour savoir. Golem à stock. Terral. Balbuto. Sepiatros, Migalos, Rouleau à peinture, Colimucus, un Metang en reverse et un Golem à stock en très antique. Donc je vais laisser les reverse par là, comme ça on les voit un petit peu, c'est quand même des jolies cartes. Et deuxième booster, on continue avec du Mega Rayquaza. Booster le plus chanceux de ce que j'ai cru entendre. Donc on verra s'il nous porte chance juste maintenant. Le fameux 1-2-3-1-2, le classique. Et deuxième booster avec un Terral, un Mimigal, un Magikarp, un Mucuscule, un Zarbi, un Lysandre, un Apiren, un lien spirituel de Farampe, un Mimigal en reverse et... Ouh, pas ex! Ah, elle est belle! Ah, elle est trop cool! Pourtant, ou pas, c'est pas un Pokémon que j'apprécie, mais la carte, elle est magnifique. La petite ultra pour bien commencer l'ouverture dans le troisième booster. Ah, elle est juste trop belle. Avec le bras, les éclairs et tout. Ah, ça donne trop bien. On va la mettre là. Bien au milieu. Pour le moment, elle est toute seule, donc on peut bien la mettre en évidence. Et le booster qui va avec, le booster ou pas déchaîné. Ils étaient liés. Heureusement qu'on les a pas séparés. Donc, on est lancé sur les ultras. Ça va cartonner. Pour fêter cette magnifique ultra, je vous offre un code, hein. Je suis d'humeur généreuse, dirons-nous. Et on est parti. Avec Miaouss, Apitrini, Marest, Evoli, Gringolem, Migalos, Lysandre, Aquali, un Regice en reverse et un Farampe en très antique, en rare. J'aime bien cette carte, bon on l'a déjà eue, mais je l'aime bien quand même. Booster Tyranocif. Normalement les boosters Tyranocif et Rayquaza sont les plus chanceux. D'ailleurs on a eu Ultra dans le Rayquaza juste avant il me semble. Avec Balbuto, Tarsal, un Pyronie qu'on voit pas souvent. Un golem à stock au garde à vous. Un axolotl. Un Pyroli. On attend toujours le Voltali, on l'a toujours pas vu lui. Le Niveau Ball. Tenefix. Un recycleur d'énergie en reverse. Et un Porygon Z en rare. Bon, sympa le Porygon Z. Je crois que je l'avais jamais encore vu cette carte. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus. Moi la mémoire. Hein. Et le booster Primogroudon. Shiny. Avec un Mimigal, j'ai l'impression qu'on commence souvent avec un Mimigal ou un Balbuto. Golem à stock, Porygon, Sepiatros, Misterbe, Porygon 2, Recycleur d'énergie, une Niveau Ball, un lien spirituel de Farampe en reverse et un Golem à stock en très antique.
De nouveau. Mega et Quetzal, je crois en toi. Que viennent à nous les ultras. Hein. On est là pour ça, découvrir les ultras, les communes. Pour ma part, je les ai déjà bien vues. Et j'aimerais bien découvrir toutes les ultras, parce qu'il y en a plein que j'ai pas vues. J'essaie de pas me spoiler. Je vous donne ce code. J'essaie de pas me spoiler sur toutes les cartes, même si des fois c'est difficile avec toutes les vidéos qui sortent de tout le monde. On a envie de regarder. Evoli. Misterbe. Apitrini. Sepiatop. Ah, les communes commencent déjà à tomber. Reliquante. Top dresseur. Un joli flore. Une forêt des plantes géantes. De nouveau un joli flore, mais cette fois en reverse. Et un Léviator en très antique. En rare. Enfin en holographique, pardon. C'est pas la première fois qu'on l'a dans ce display. Donc bon, c'est une carte magnifique, donc j'en suis très content. On va quand même la laisser là, elle est belle. Pour le moment, il y a de la place dans le champ. Pour le booster ou pas. Petit booster ou pas qui va nous donner chance, j'en suis sûr. Un Axolotl, un Balbuto, un Persian, un Magikarp, un Pyronille, un Joliflore, un lien spirituel de Tyranocif, un Colimucus. Un Aqualie en reverse. Ah, ça c'est cool. J'aimerais bien voir les trois évolutions d'Evoli et Evoli en reverse, mais ça risque de compliquer. Et un Tyranocifex. Ah, ça c'est beau. C'est une ultra qu'on n'avait pas encore eue. Un superbe Tyranocifex. On n'a pas beaucoup de full art, voire pas du tout, mais on a un Tyranocifex. Oh, il est beau. Avec enfoncement destructeur. Ah, elle est belle. Donc Léviator, on va te mettre un peu de côté, hein, tu m'excuses. Et Méga Tyranocif qui est arrivé. Ouais, on le voit. Ouais. On va le mettre là. Voilà. Et un booster Méga Tyranocif après. Décidément. Dans cette ouverture, les ultras suivent les boosters. Hein. Et on a une ultra, donc je vous donne le code. On va fonctionner comme ça. Hein. Comme ça, plus j'ai d'ultra, plus vous êtes content. De toute façon, vous êtes là pour voir les ultras, je pense. On continue avec un Magikarp, un Marest, un Mimigal, un Axolotl, un Mucuscule, un lien spirituel de Junko, un Meutissement, une énergie spéciale, enfin l'énergie danger, un Porygon en reverse, je le voyais pas non plus, j'ai failli zapper, et un Entei en rare. J'adore cette carte. Les cartes d'Entei sont souvent très réussies, j'ai l'impression. Et pourtant, Entei, c'est le chien légendaire qu'on voit le plus. Suicune, on le voit pas mal aussi, mais Raikou, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Bon, c'est celui que j'aime le moins, donc ça tombe bien. Même si je préfère Suicune et que j'aimerais voir un peu plus. 1, 2, 3, 1, 2. Je sais encore compter, normalement. Un Doudouvet. Un Balbuto. Elle est beaucoup plus belle en très antique cette carte. Le décor est vraiment bien fait, je trouve. Un Zarbi. Un Terral. Un Mucuscule. Un Kirlia. Une énergie danger. Un bras écologique. En reverse, un lien spirituel de Junko. Et un Léviator en rare. Bon bah, on va le mettre avec l'autre Léviator, hein. Voilà, c'est l'ouverture de Léviator aujourd'hui. On en aura eu pas mal dans ce display des Léviators, je crois au moins 5. Le code, je le garde. Si vous voulez un code, n'hésitez pas à me le demander en message privé ou dans les commentaires. Je les donne pas tous en vidéo pour que vous les partagiez, sinon vous êtes radin avec les autres. Un Gringolem, un Mapitrini. Un Sepiatros, un Balbuto, un Zarbi, un Casque Chance, un Kirlia, un Metang, en reverse on a un Persian et un Registeel en rare.
Elle est cool. Je crois que c'est la première rare qu'on a eue dans ce display, si mes souvenirs sont bons. Et booster ou pas. Le petit ou pas qui va nous porter chance, hein. On est parti avec un Sepia Top, un Misterbe, un Tarsal, un Golem à stock, un Marest, un Apiren, un Casque Chance, en secrète, ah non, ah ben non, cette fois c'est une commune malheureusement, un Lien Spirituel de Pharamp, un Colimucus en reverse et un Muplolocus en holographique. Oui, c'est une holo. Donc on a eu que Colimucus en reverse, qu'on va mettre de côté, et un Muplodocus en reverse, en holographique. On va le mettre sous pochette quand même. On a, les holos, je trouve qu'elles tombent de moins en moins souvent, plus on avance dans les séries. Du coup, je suis quand même content les petites holos, même si elles ne brillent pas beaucoup celle-là. Elle est très sombre, mais j'aime beaucoup le style un peu dessin comme c'est fait. Où est-ce qu'on peut la mettre? Est-ce qu'on la voit? Ouais, on va la mettre là, il y a un peu de reflet de lumière, désolé. Là, on la voit un peu mieux. Avec Tyranocif, enfin méga Tyranocif. Allez, ouvre-toi! Sinon on n'avance pas. Un Terral. Un Mucuscule. Un Miaouss. Allez les communes, arrêtez de tomber s'il vous plaît. Pyronnille. Un Doudouvet. Misty Maniac, un Métang, un Bras écologique, en reverse on a un Porygon 2 et un Porygon Z, décidément. En rare, c'est la reverse, c'est toujours la pré-évolution de la rare dans ces boosters. C'est marrant. Allez, un booster méga Rayquaza Shiny. Qui a de la peine à s'ouvrir, donc on a forcément une bonne carte dedans. Un Reliquant, un Porygon, un Golem à stock, un Sepia Top, un Misterbe, un Motisma, un Lien Spirituel de Junko, une Apiren en reverse et un Metalos en très antique. Il est tombé pas mal de fois celui-là, il me semble, hein. Oh, c'est pas grave. Métalos, je l'aime beaucoup, donc ça va. Booster, Primogroudon. Il nous reste déjà plus que 6 boosters, plus celui que je suis en train d'ouvrir. Donc ça part vite, terriblement vite, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 1, 2. Un Nevoli. Un Doudouvet. Un Reliquant, un Golem à stock, un Persian, un Apiren, un Casque Chance, un Lien Spirituel de Pharamp, en reverse on a un Métang et un Regirock en rare. Ah, j'aimerais bien avoir un peu d'Ultra, ce serait bien. Pour le moment on n'a pas eu des masses de chance hein, pour ce display, mais ça va venir, il nous reste des boosters, donc ce n'est pas fini. Une secrète et tout est sauvé. Un booster peut changer la mise. Je vais vous donner un code, ça fait un moment que je ne vous en ai pas donné. Un Gringolem, je crois qu'on ne l'avait jamais vu cette carte sur le. Ouais, ça fait 30 boosters un peu plus qu'on s'ouvre et je crois qu'on n'a jamais vu de Gringolem. Un Lapitrini, un Sepiatros, un Balbuto, un Zarbi. Un Migalos, un Lien Spirituel de Tyranessif, un Colimucus, un Sepiatros, en reverse, oui en reverse, et un Porygon Z holographique en très antique. Ah, une petite holo, c'est toujours mieux que rien. On la met direct sous pochette. J'aime bien Porygon Z, je le trouve cool comme Pokémon, donc ça fait plaisir. L'illustration est super sympa, elle est belle avec les lames d'attaque, là je trouve que ça donne super bien. On va le mettre par là.
Ouais, vous le voyez quand même, malgré les reflets. Fait un peu de place là. Ouais. Petit moment organisation. On a le temps, on n'est pas pressé. Pour nos 4 derniers boosters, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste de nouveau 2 Zupa, un Primogroudon et un Méga Tyranitar. Donc, booster, Méga Rayquaza. Donc, booster ou pas. Qui s'ouvre très bien d'ailleurs. Mimigal, Meowth, Magikarp, Tarsal, Misterbe, Meutissema, une énergie flash, un Farfaduvet, un magnifique Marest, j'aime pas trop cette carte, mais bon, en reverse, et un Léviator en rare. C'est le sixième Léviator qu'on a dans ce display, on va le mettre avec l'autre. C'est un display, j'ai l'impression que c'est une série spéciale Léviator aujourd'hui. Donc il nous reste 3 boosters, on va les mettre comme ça. Bon, on va le mettre là. On va prendre le Primogroudon. On est parti avec ce magnifique booster. La chance est avec nous. Avec un Pyronille. Un Gringolem, un Impitrini, un Marest, un Balbuto très antique, j'adore ces cartes. Toffdresser, un Metang, une Misty Maniaque, un Terral en reverse et un Registeel en rare. Donc, booster ou pas, il nous restera le Tyranocif pour la fin, j'ai envie de garder le Tyranocif, c'est mon préféré. Et que je sais qu'il va nous porter chance, et que j'ai envie de finir en beauté, comme à chaque fois, si j'arrive à ouvrir ce booster. Je vais vous donner le code, ce sera le dernier aujourd'hui, à part si on a une bonne carte. Hein. Allez, on est parti, avec un Sepiatop, un Zarbi, un Evoli, un Persian, un Porygon. Un Pyroli. On n'a toujours pas eu le Voltaï d'ailleurs. Il me semble qu'il y a un Voltaï dans cette série. Peut-être que je me trompe. Hein. Dites-le moi si c'est le cas. Le lien spirituel de Junko. Orchid. Il me semble qu'on l'a pas vu celle-là non plus. Je sais plus. Avec des baies sur l'arbre. Une énergie flash en reverse. Et un Gardevoir holographique. Elle est trop belle. Ah, j'adore l'illustration, elle est juste magnifique. Elle est juste trop 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 belle. Direct, protège-carte, classeur. Ah, elle est trop belle. Ah, je suis content. Je voulais l'avoir cette carte, donc ça fait plaisir. Bon, Léviator, tu m'excuses, mais on t'a assez vu aujourd'hui. Dernier booster, le Mega Rayquaza Shiny. J'aimerais bien terminer sur une petite ultra. Ça ferait plaisir. Après 36 boosters, ça fait quand même un sacré moment d'ouverture. Espérons que ça vous aura plu, mais ce n'est pas fini. Avec un Sepiatope. Sepiatope qui tombe souvent. Un Reliquante. Un Balbuto. Un Tarsal. Un Pyronille. Un Nivobol. Un Mygalos. Une Lysandre Dresseur. Un Sepiatope en reverse. Et... Wouh! Méga Farampex! Ah, ça c'est cool. Une ultra pour terminer. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Un méga Farampex. Ah, ça je suis content. Une belle ultra pour terminer. Donc, on va résumer un peu ce qu'on a eu, surtout au niveau des ultras. Les holographiques, bon, je pense que ça vous intéresse moyennement. Je vais reprendre celle de la première partie. Le temps de les récupérer. Donc, on va les mettre un peu ensemble vu qu'on a des méga qui sont liés. Donc, dans ce display, en ultra, nous avons eu un magnifique Koopa X, un Tyranessif X, avec son méga Tyranessif X, qui est. Je préfère quand même le Tyranessif X personnellement.
Donc le mégaturcif, un Pharampex. Et le méga Pharampex qu'on vient d'avoir. Méga Pharamp qui est beaucoup plus beau à mon goût que Pharamp. Ah, ça fait plaisir, 5 Ultra. Bon, c'est pas le display de l'année, mais c'est mieux que rien. On a eu quand même, je pense, ouais, 5 holographiques. Je vais pas toutes les ressortir parce que je sais plus où elles sont les autres. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est un peu le bordel, là. Il y a un peu de tout et de rien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre carte préférée dans toutes les ultras qu'on a eues ou dans les holos ou même dans les communes. Hein. Bah, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vert, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, vous connaissez tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.